Le festival de Cannes a rimé avec cinéma populaire et spectaculaire avec la projection, hors compétition, du cinquième volet d'Indiana Jones, ce jeudi 18 mai. Sa star, Harrison Ford, était présent, aux côtés de son épouse, plus resplendissante que jamais, Calista Flockhart. C'est ce qu'on appelle une légende vivante. Harrison Ford a foulé le tapis rouge de la 76e édition du Festival de Cannes pour la présentation d'Indiana Jones et le cadran de la destinée ce jeudi 18 mai 2023. Dans un smoking impeccable, l'acteur américain de 80 ans est arrivé au bras de son épouse Calista Flockhart, alias Ally McBeal. Le couple, qui s'est rencontré en 2002 et s'est marié en 2010, était particulièrement glamour sur le tapis rouge de la croisette. Les années passent mais le charisme de Harrison Ford est intact. Il a posé avec toute l'équipe de son film, à savoir les comédiens Phoebe Waller-Bridge à qui l'on doit l'excellente série Fleabag qu'elle a également scénarisée, Mads Mikkelsen habitué de Cannes puisqu'il y a obtenu le prix d'interprétation pour La Chasse, Shaunette Renée Wilson qui a fait sensation dans Black Panther, Boyd Holbrook, remarqué dans la série Narcos et également un Français à peine âgé de 16 ans. Le jeune homme ne cache pas son enthousiasme en haut des marches du Palais des Festivals, lui qui a été repéré dans la série Sam saison 4 avec Hélène Fougerolles. La célèbre productrice Kathleen Kennedy était également de la partie. Un film très attendu mais qui a connu une foule de problèmes. Héroïque comme le sont les personnages qu'il incarne, il avait sauvé un de ses collègues qui faisait une crise cardiaque. Toutefois, un autre n'a pas pu être sauvé quelques mois plus tôt, alors qu'il tournait au Maroc. Peu de temps après ce décès impromptu, le tournage avait été arrêté une nouvelle fois car Harrison Ford était blessé à l'épaule et avait dû prendre plusieurs mois de rééducation. Si ce cinquième volet est enfin dévoilé à Cannes, il faudra attendre le 28 juin pour le découvrir dans toutes les salles de France. Le pitch n'a pas encore été précisé, on sait seulement que la nièce du célèbre archéologue va faire équipe avec lui, pour des aventures toujours plus palpitantes, réalisées cette fois par James Mangold, Walk the Line, qui a pris le relais de Steven Spielberg. Lors de la projection cannoise, l'Américain mythique a eu droit, sans surprise mais avec beaucoup d'émotion à une standing ovation. You can just keep